n'a jamais été aussi facile aujourd'hui de se créer des opportunités, que ce soit avec les femmes, que ce soit dans le business. Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Tu connais, mets un petit j'aime puisque de toute façon tu vas aimer à un moment donné. Puis même si tu n'aimes pas, tu peux retirer le j'aime, j'ai envie de te dire. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne pour te permettre d'être déterminé, passer à action, créer ta vue sur mesure. Tu vois, j'ai créé mon premier business en ligne depuis 2016. Donc faire de l'argent, les gars, ça fait un moment que c'est possible. Ok. D'ailleurs, il y a une étude de cas que je te partage. Elle est gratuite, elle est offerte. Où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en semaine. C'est gratuit. Je te montre le prix du produit, le produit, comment j'ai fait la stratégie, etc. Ok, c'est gratuit, donc tu peux y accéder. Et la deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre exactement les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois. Après, évidemment, c'est pas magique, il va falloir charbonner. Ce qui t'intéresse, c'est qu'elle est 100% finançable, ok, si jamais tu veux accéder à la formation via ton CPF. Et tu peux aussi la payer directement parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait posé la question. Tu cliques juste sur le lien qui est dans la description, d'accord. Tu pourras mettre ton numéro de téléphone et ton prénom et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et tu pourras poser toutes tes questions. Donc, l'appel est offert, tu poses toutes tes questions. Si tu veux payer par CB, tu payes par CB. Si jamais tu veux le faire par ton CPF, ben, on va te montrer exactement comment le faire. On va te donner les accès à Pirate Marketing. Et si jamais tu veux juste poser des questions, et il n'y a aucun souci, c'est gratuit de toute façon, ça ne pose pas de problème. Okay, pour poser tes questions, l'appel. Hein. Donc voilà les gars, et après, il n'y a pas d'excuses les gars. Ah oui, c'est important aussi. Ça va être dur, ça va être très long. Voilà, parce qu'à chaque fois, apparemment, on ne le dit pas assez souvent. Donc non, ça ne va pas être facile. Je sais que tu crois que tu... Oh, ça va être facile, voilà. Donc voilà, je le dis. Ça va être dur et ça ne va pas être facile. Ça va être long, tout ce que tu veux. OK, mais par contre, j'ai envie de te dire, ça en vaut la chandelle. OK, donc et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Évreux dans 91. J'ai redoublé mon BEP électrotechnique. J'ai grandi dans le quartier des Pyramides. Et voilà, j'ai découvert le business en ligne à 34 ans. OK. Donc les gars, arrêtez de chialer, juste passer à l'action. Aujourd'hui, je suis libre, je voyage où je veux, quand je veux. Donc arrêtez de chialer les gars, si tu fais rien, il va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Le problème que rencontrent les hommes aujourd'hui, c'est qu'ils ont perdu complètement l'essence même d'être un homme. C'est-à-dire que, genre, en tant qu'homme, tu es un créateur d'opportunités, tu es un conquérant, tu es quelqu'un qui veut construire en fait, qui veut construire quelque chose. Les hommes sont faits pour ça. Regarde autour de toi, les immeubles qui sont autour de nous, c'est des hommes qui les ont construits depuis la nuit des temps. On veut conquérir. Regarde la guerre qu'il y a entre Ukraine et la Russie. Enfin, je veux dire, tout, c'est la testostérone, frère. On est des conquérants, c'est comme ça, on est des hommes, on est fait pour ça. Et donc aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, je vois souvent les gars, comme on est dans un truc, je sais pas, c'est tellement la paix, on est en France, ça se passe bien, on a des aides, j'ai l'impression que les gars se sont ramollis en fait. Les gars se sont ramollis, ils ont oublié l'essence même d'être un homme, qu'est-ce qui fait que tu as de la testostérone. Pour ça, j'aime bien dire, ouais, les gars, la testostérone a disparu, les gars. Les gars, ils sont là, ils jouent à la console, tout ça. Alors, moi, j'ai pas de problème à jouer à la console. D'ailleurs, je peux te prendre à FIFA quand tu veux, tu vois. Mais c'est pas le souci, c'est que les gars, ils passent que leur vie à jouer à FIFA. Il n'y a pas de testo, il n'y a rien, pas de petit sport de combat. Pas, ils vont pas à la salle de sport, ils sont là, ils sont devant Netflix, ils font rien. Et après, ils disent, j'ai pas la vie que je voudrais avoir, j'ai pas d'opportunité. Bah oui, c'est sûr que si jamais tu passes à l'action, tu auras l'impression que les opportunités, elles n'existent pas, tu vois. Ça me rappelle quand je fais des pubs. Quand je vois des commentaires des gars qui disent « Ouais, si ça se saurait, tout le monde le saurait. » Enfin non, c'est plutôt « Si c'était possible, tout le monde le saurait. » Des trucs comme ça. Quand je dis par exemple que tu peux gagner ta vie sur Internet. Depuis 2016, j'ai gagné de l'argent sur Internet. Enfin, arrêtez les gars. 2016, ça fait un moment là. Hein. Donc, et les gars, ils sont encore là « Ouais, n'importe quoi. 5 000 euros, c'est comme si c'était un truc de ouf, 5 000 euros. » Alors j'imagine, ouais, bah c'est sûr que si tu touches 1500 euros, ça te paraît ouf, 1500 euros, parce qu'en plus tu mets ça, les gars doivent se mettre ça en parallèle avec des salaires de cadre ou des trucs comme ça, donc c'est sûr que oui, mais en tant qu'entrepreneur, 5000 euros, c'est 5000 euros de CA, tu vois. Après, bon, si tu t'expatries, ça posera moins de soucis, mais si jamais tu restes par exemple en France, bah, tu auras les impôts à payer, bref, les taxes, donc c'est pas tant que ça, 5K, et en plus, j'ai vraiment pas voulu mettre des chiffres trop gros, mais enfin... T'es entrepreneur, tu peux faire plus. Avec les stratégies que je te partage à Pirate Marketing, tu peux faire beaucoup plus. Ce que je veux dire par là, c'est que les plupart des gars, ils sont là toute la journée,
ils scrollent YouTube, ils sont là, normal, ils regardent des vidéos business toute la journée et ils passent jamais à l'action. Les gars, si jamais vous passez pas à l'action, vous n'allez jamais pouvoir créer les opportunités que vous voulez et vous n'allez jamais pouvoir avoir la vie que vous voulez. Il n'y a pas de secret. Donc, les gars, ils ne passent pas à l'action et après, ils disent qu'il n'y a pas d'opportunité. Tu n'as jamais vu, par exemple, un gars qui a des compétences. Tu dis, ce gars-là, il est super chaud, mais en fait, il n'a pas le bon mindset. Et donc, du coup, vu qu'il n'a pas le bon mindset, il n'a pas les résultats qu'il devrait avoir. Toi, tu le vois, tu vois. Donc, si jamais tu sais le voir, par exemple, sur les autres, pourquoi tu ne le vois pas chez toi? Donc, ça fait qu'en fait, aujourd'hui, quand tu passes ton temps, par exemple, sur YouTube à regarder que des vidéos business, alors moi, c'est cool, ça fait plaisir que tu regardes mes vidéos, mais j'aurais préféré que plutôt tu passes à l'action, tu vois. Tu passes à l'action, tu fasses quelque chose, tu prennes une formation parce que tu ne vas pas y arriver tout seul. Hein, je veux dire, si il n'y a personne qui t'apprend à nager, tu ne vas pas arriver, sauter dans le bain, hop, et puis par magie, tu vas savoir nager. C'est pareil pour apprendre à jouer au saxophone, c'est pareil pour pouvoir lancer son business. Après, tu prends la formation que tu veux, le coach que tu veux, le mentor que tu veux, mais choisis quelque chose et lance-toi, tu vois. Parce qu'en vérité, chaque jour, tu passes à côté d'opportunités. C'est sûr et certain, parce que c'est quand tu passes à l'action que les opportunités, en fait, viennent à toi. Alors, je sais que ça paraît chelou, mais c'est la vérité. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut avoir la même journée que toi, genre il peut déjà avoir, je sais pas, généré grave du cash parce qu'il est passé à l'action, que ça l'a emmené sur d'autres opportunités. Je vais donner un exemple par rapport à ça. Je t'avais déjà raconté ça, mais je te le raconte encore pour ceux qui n'ont pas entendu. À un moment donné, quand j'ai réussi mon premier business en ligne, mon premier lancement, j'avais envoyé un email à tout le monde, tu vois. Et ça, c'est pareil, action. J'ai envoyé un email, enfin à tout le monde, ça veut dire que j'avais envoyé un email aux gens qui m'avaient inspiré à me lancer. Okay? Même si je n'avais pas pris leur formation, j'avais envoyé un email. Okay? Et ça, j'avais pris cette initiative parce que j'avais lu un livre, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, je ne sais même plus c'est quel livre. J'avais lu un livre et le gars, il disait d'envoyer un email aux gens qui t'avaient inspiré ou un truc comme ça, tu vois. Je ne sais plus pourquoi, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'avais envoyé un email aux gens qui m'avaient inspiré à l'époque. Je l'avais envoyé et j'avais envoyé aussi un à Cédric. Et au passage, ce n'est pas tout le monde qui m'a répondu. Ça, c'est important aussi de le préciser. Ce n'est pas parce que tu passes à l'action que tu auras forcément des résultats. Ça ne veut rien dire, ça. Mais en tout cas, si jamais tu ne passes pas à l'action, c'est sûr qu'il ne va rien se passer et c'est sûr que tu n'auras aucun résultat. Donc, du coup, j'avais envoyé un email et il y a Cédric A17 qui m'a répondu. Dans tous les autres, je ne vais pas donner les noms des autres parce que les autres ne m'ont pas répondu. Mais lui, en tout cas, il m'a répondu. Ok, lui m'a répondu et il m'a dit bah vas-y viens à mon mastermind en privé. Ok, enfin en privé, en VIP. Ok, et j'ai hésité de ouf parce que tu vois à l'époque j'avais pas encore le mindset que j'avais maintenant. Je venais juste de lancer mon business, j'avais fait un bon score c'est sûr, mais tu vois t'as encore le mindset du gars qui est salarié. Tu vois j'étais infirmier, je me suis dit ouais putain faut que je prenne un billet, après faut que je paye un hôtel sur place, c'est chaud, ça fait de la dépense etc. Donc après avoir bien réfléchi tout ça machin, peser le pour et le contre, finalement j'y suis allé. Alors que je voulais pas y aller parce que ah oui j'habitais déjà à cette époque-là, j'habitais en Guadeloupe, donc tu vois il fallait prendre un billet. C'est chaud. Donc après, bon, j'ai pris le billet, tac, c'était un truc comme 500 euros. Et tac, je suis arrivé, boum. Après, il m'a fait monter sur scène, tout ça. Et comme en fait, c'est un gars qui s'intéresse au saxophone, il m'avait fait un chèque de 500 euros pour pouvoir accéder à ma formation parce que ma formation, elle coûte toujours 497 euros pour apprendre vraiment le saxo de A à Z sur un an. Et du coup, il m'avait fait un chèque, donc c'était parfait, tu vois. Je me suis dit, toi, t'imagines, heureusement, j'y suis allé parce que, en fait, il m'a remboursé mon billet, en fait. Tu vois, j'aurais pas été là, et voilà. Et tout ça, c'est parce que je suis passé à l'action, tu vois, ok? Donc, je suis arrivé sur scène, boum, boum, il lance son mastermind. Je dis, bah, vas-y, je rentre dans le mastermind. Je suis rentré dans le mastermind, j'ai rencontré des gens à l'intérieur du mastermind. Et donc, ça, c'est encore action, tu vois. Action, création, je crée mes opportunités. Tu es un homme, tu dois créer tes opportunités. Je rentre dans le mastermind, je commence à parler avec des gens. Et là, pareil, création d'opportunités. Tu peux être dans le mastermind là, et si tu parles à personne, eh ben, ou tu parles avec les mêmes personnes, tu ne vas pas te créer des opportunités puisque tu parles avec les mêmes personnes. Donc, boum, j'ai fait l'effort. Tac, je commence à parler avec plusieurs gens, des gens où on s'entendait beaucoup plus. Maintenant, j'ai un ami, un gars sûr. Il était dans le même mastermind et maintenant, c'est mon gars sûr. Tu vois, après, ça m'a créé d'autres opportunités qui m'a permis d'avoir des sources de revenus supplémentaires parce que voilà, bah, il m'a dit, ah ben moi, je suis en train de me lancer sur un truc comme ça. Moi, je suis ici. Ah ok, bah, vas-y, boum, je vais investir là aussi. Ah boum, boum, boum. Et voilà, et etc. Et etc. Tu vois, de là est parti genre des connaissances, de connaissances, de connaissances. C'est-à-dire, j'ai connu un gars dans le mastermind qui m'a présenté un autre gars, hop, que l'autre gars m'a présenté. Etc, 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 tu vois. Donc tout ça pour te dire que j'ai créé mes opportunités. La vie que j'ai aujourd'hui, c'est moi qui l'a créée en fait. C'est pas tombé du ciel.
tu vois. Et parce que je pourrais te faire tous les effets cumulés qu'il y a eu pour pouvoir avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Tu vois, il y a vraiment rien de magique. Mais c'est sûr que si jamais tu passes pas l'action et que tu fais rien, tu vas te créer aucune opportunité. Tu vas dire, ah, il n'y a pas d'opportunité dans ce monde. Ça n'a jamais été aussi facile aujourd'hui de se créer des opportunités, que ce soit avec les femmes, que ce soit dans le business. Mais pour les gens qui passent à l'action. Ah, bah oui. Mais pour les gens qui charbonnent. Mais pour les gens qui sont déter, qui ont une vision et qui veulent tout arracher dans cette vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est accessible pour tous les gens qui viennent d'en bas. Je veux dire, si jamais tu n'as pas besoin d'avoir un apport pour pouvoir lancer un business, enfin, je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir hérité de ton père ou un truc comme ça. Aujourd'hui, avec Internet, tout est accessible. Et on dirait que c'est tellement facile. Enfin, c'est tellement accessible. C'est pas que c'est facile, c'est que c'est accessible. Ça n'a jamais été aussi facile de pouvoir accéder à l'enrichissement, en fait. Ça n'a jamais été aussi facile. Et même pour pouvoir rentrer en contact avec les femmes, ça n'a jamais été aussi facile. OK ? Mais par contre, c'est dur. Parce que comme j'ai déjà fait une vidéo, c'est dur pour les hommes. Ouais, évidemment, c'est plus dur parce que du coup, vu qu'elles sont hypergames, bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais si jamais tu charbonnes, tu vas faire partie des 10-20%. Et donc, du coup, tu seras dans l'abondance. Parce que toutes les femmes veulent les gars qui font partie des 10 à 20%. Et donc, du coup, c'est elles qui se battent pour toi. C'est quand même mieux d'être dans cette situation que dans l'autre, j'ai envie de te dire. Ça veut dire que d'être l'autre situation, ça veut dire d'être invisible. OK ? Par contre, ça prend du temps. Parce que pour faire partie des 10 à 20%, ben, faut charbonner. Et ça peut prendre 5, 10 ans. Ouais, ouais. Ben oui, les gars, ce serait trop beau. Mais c'est pas pour rien qu'elles aiment les 10 à 20%. La vie ne récompense pas les gens qui ne le méritent pas. Je crois que c'est le compagnon là, de l'associé de Warren Buffett qui dit ça. OK, j'ai oublié son prénom. Okay, la vie n'est pas encore assez fou pour pouvoir récompenser les personnes qui ne le méritent pas, en fait. Donc, créez vos opportunités et c'est pareil pour les meufs, tu vois. Par exemple, bon, moi, je suis pas trop un gars qui aborde les meufs, mais c'est sûr que si jamais tu croises des meufs que tu as envie d'aller leur parler parce que tu les trouves bien, etc., t'en sais rien si jamais si tu étais allé la voir, si jamais ça aurait pu être la mère de tes enfants, t'en sais rien, en fait. Donc, en fait, tu laisses passer les opportunités comme ça. Et c'est voilà, mais ça, c'est une très bonne analogie pour expliquer ce que je vais dire en business. Ah, c'est pareil, toute la journée, ça se trouve, tu marches dans la rue, tu vois des meufs qui sont bien, etc. Mais si jamais tu vas jamais leur parler, tu sauras jamais si jamais ça aurait pu être la mère de tes enfants ou si jamais ça aurait pu être même pour une relation en court terme, j'en sais rien, tout ce que tu veux. Mais tu peux jamais savoir. Et après, ouais, tu vas dire, oh, il n'y a pas d'opportunité, etc. C'est chaud. Ben, c'est normal, si jamais tu scrolles Instagram toute la journée en mettant des j'aime, en te disant, oh, t'es trop belle, etc. Ça marche pas, tu vois. Alors que quand tu es dans la rue, ouais, bah évidemment que tu vas te faire rejeter, tu vois. Évidemment, ça fait pas plaisir de se faire rejeter. Mais si jamais tu vas jamais aborder aucune des meufs qui te plaît, par exemple, que tu vois, eh ben, tu n'auras jamais l'opportunité de savoir réellement si, ok, ouais, bah, ouais, peut-être qu'elle aura un gars. Ouais, mais peut-être qu'elle aura pas de gars et qu'elle sera contente que tu lui auras juste dit bonjour, comment ça va. Parce que moi, j'ai déjà entendu des meufs, surtout plus elles sont fraîches, elles disent, moi, les gars, ils m'abordent pas, ils ont peur de m'aborder, tu vois. Donc si jamais tu abordes pas, bah, tu perds toutes les opportunités. Ça veut dire que par jour, imagine le nombre d'opportunités que tu perds. Et bien, c'est pareil pour le business. Après, moi, je t'avoue que je suis plus un gars de Tinder. Je suis plus un gars de l'application. D'ailleurs, j'ai optimisé ça en mode funnel de vente. J'en ai même fait une formation, mais je donne accès seulement à ceux qui ont compris Zeus. Parce que c'est une formation trop powerful. OK. Et en plus, je partage mes chiffres, etc. Donc, j'ai pas trop envie que ce soit trop public. Si jamais tu es intéressé par ça, envoie-moi par Funnel Tinder. J'ai appelé ça Funnel Tinder. Envoie-moi un email. Je veux voir ce que je peux faire pour toi. Mais pour l'instant, je donne ça accès à seulement ceux qui ont pris Zeus. Ça, c'est en description si jamais tu veux aller plus loin. Mais tout ça pour te dire que ouais, je suis plus un spécialiste de ça parce que déjà, parce que je suis focus et je travaille beaucoup. Et puis, parce que c'est plus facile aussi. Mais des fois, je me challenge, tac, pour aborder une femme, etc. Et voilà, mais si jamais tu ne l'abordes pas, tu ne sauras jamais. Il y a une meuf que j'ai abordée qui est dans ma salle, que ma salle de sport. La meuf, c'est une bombasse. C'est une bombasse. J'ai voyagé, les gars. Et je peux te dire qu'en termes de physique, non, elle est quand même vénère, là, toujours. J'allais dire qu'elle a pris un petit peu de poids vite fait, mais vite fait, vraiment. Enfin, je picadille, là. Hein. Non, elle a un physique, c'est hors norme. De toute façon, c'est incroyable. Le visage, ça va. Pas genre un truc de ouf, bon, sinon ça sera abusé. Si elle avait tout comme ça, c'est oh, c'est quoi, c'est délire. Ça aurait été. Elle volerait, mon gars. Bref, et donc du coup, bah, elle, je l'ai abordée. Tu vois, je l'ai abordée, boum, ça s'est bien passé, boum, j'ai pris son numéro, je l'ai daté normal, tranquille, tu vois. Si jamais je ne l'avais pas abordée, j'aurais jamais pu prendre son numéro, j'aurais jamais pu la dater, et puis j'aurais jamais pu, voilà, avoir une petite histoire avec elle, tu vois. Si jamais tu fais rien, il va rien se passer. Si jamais tu crées pas tes propres opportunités, si j'avais pas créé cette opportunité par moi-même, j'aurais jamais eu. En tant qu'homme, tu peux pas être là à attendre
que la vie elle arrive, ou que moi par exemple, je sais pas si on prend l'exemple de la meuf, que j'attende qu'elle me parle. J'attends comme ça, je vais à la salle et j'attends qu'elle vienne me voir, qu'elle me dise hey, alors comment ça va et tout machin. Ça peut arriver, mais déjà, je crois que ça m'est jamais arrivé. Peut-être en soirée vite fait, tu vois, ça, mais c'est rare quoi. Enfin, les meufs elles abordent pas les gars, tu vois. Je veux dire, ben c'est pareil pour le business, tu vois. Aujourd'hui, les choses n'ont jamais été aussi faciles, aussi simples, tu vois. Pareil, grâce aux applications, tu as vu comment c'est facile, si jamais tu as les bonnes stratégies, évidemment aussi, tu vois. Parce que ça me rappelle, ma mère, elle me disait à l'époque, elle, enfin, ils sortaient ensemble, mais entre eux, quoi. C'était, je veux dire, c'était dans le quartier, hein. C'était pas genre, ils n'allaient même pas d'une ville à une autre ville, ou sinon, c'était même trop loin, tu vois. Ils étaient là, entre eux, dans leur quartier, voilà. Aujourd'hui, frère, moi, je suis en Colombie, si je demain, je suis en Thaïlande, demain, je suis aux États-Unis, je suis au Canada, je peux avoir une meuf de d'où je veux. Donc, ça n'a jamais été aussi facile d'accéder. Mais évidemment, c'est toujours plus dur pour les hommes parce qu'il faut que tu fasses partie des 10 à 20%. Bref, mais tout ça pour te dire que moi, ce que j'ai constaté, c'est que les gars ont perdu ce truc de passer à l'action et d'agir comme un homme, en fait. C'est-à-dire de créer tes opportunités et de créer ta vie, la vie que tu veux réellement. Tu vois, parce que tu peux pas rester comme ça, attendre, regarder sur les réseaux, rien faire, pas lancer ton business, rien faire du tout. Non, je te dis, toute la vie que j'ai, je pourrais faire une vidéo longue où je te montre les effets cumulés. Là, je t'ai juste montré en partant du mastermind, etc. Tu vois, c'est parti de première action, lire un livre. Dans le livre, le gars, il dit de faire une action, je fais boum, 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 jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et là, je t'ai pas pris le truc de quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, l'argent, tout ce que j'ai généré, les opportunités que ça m'a donné, sociales, etc. Boum. Après, tout s'enchaîne, en fait. Et ça va sur tout, ça crée des opportunités. Gars, juste fais quelque chose, gars. Parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas d'opportunité, que la vie, il se passe rien. Mais en fait, ta même journée, si jamais tu passes à l'action, ne serait pas la même journée que si jamais tu passais pas à l'action. Et ne donnerait pas du coup les mêmes résultats. Il y a des gars, genre, qui aujourd'hui, ils ont fait 10 000 euros, par exemple, aujourd'hui, en une journée. Ben, c'est quoi la différence entre toi et lui? Ben, c'est qu'à un moment donné, il passe à l'action. Alors, il n'est pas passé qu'aujourd'hui. Il a commencé peut-être il y a 5 ans, 6 ans, tu vois. Mais à un moment donné, ça arrive. Donc, la vie, elle est remplie d'opportunités, mais c'est à toi de la créer. C'est à toi de créer tes opportunités. Bref. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mets-moi un petit j'aime si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Chérie ton camp.